Salut à toi, futur businessman, c'est Mamax. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te partager 4 étapes pour avoir une journée productive. La première étape est assez simple. C'est une notion que l'on ne prend pas souvent en compte, mais pour avoir déjà une première journée productive, c'est d'être conscient de ses deadlines. Une deadline, c'est on va dire le jour à laquelle tu es sûr de pouvoir rendre ce que tu dois rendre ou atteindre l'objectif que tu dois atteindre. Et donc, pour être productif ou pouvoir maximiser entre guillemets sa journée de productivité, tu dois être sûr et être conscient de ta deadline. Si tu sais que tu es proche entre guillemets de cette deadline là, donc c'est-à-dire que tu dois rendre cette chose rapidement, et ben c'est à ce moment-là que tu vas, on va dire, programmer ou orienter ta journée pour être sûr de finir ce que tu dois faire dans les temps. Donc si tu es conscient de ta deadline, c'est là que tu peux, on va dire, avoir une journée assez productive, ou du moins construire ta journée pour qu'elle soit productive. Deuxième chose pour une journée productive, alors c'est quelque chose que je mets en place très très souvent, alors j'avoue que parfois je l'oublie, mais c'est d'écrire vos objectifs de la journée. Donc en général, je me trimballe toujours avec un petit carnet comme celui-là, où j'écris justement mes objectifs de la journée. Et donc en fonction de cela, et ben, surtout en fonction de mes deadlines que j'ai, donc des projets ou des choses que j'ai à rendre à un temps imparti, et bien j'écris mes objectifs de la journée. En général, je le fais le matin. Et donc du coup, en fonction de cela, voilà, je déroule ma journée, je réalise uniquement ce qui est écrit dans ce carnet et des objectifs que j'ai mis au début de ma journée. Ça, c'est la deuxième chose à faire pour avoir une journée productive. Évidemment, la suite de ça, troisième chose, pour être productif, ben ce n'est pas produire. Produire, il faut vraiment ressortir quelque chose. Il faut vraiment que ce soit du concret, quoi. Donc, pour avoir une journée productive, il faut impérativement produire quelque chose. Donc, sortir quelque chose. Et peu importe par rapport à vos objectifs ou quoi, si vous sortez quelque chose de concret, c'est à ce moment-là que vous êtes productif. Quatrième conseil ou étape que je pourrais vous donner donc pour avoir une journée productive. La quatrième est assez importante aussi parce que du coup, ça permet de garder ça sur le long terme, donc de produire régulièrement sur le long terme. Et cette étape, c'est tout simplement de planifier les jours à venir. En planifiant du coup vos journées à l'avance, et ben vous arrivez, hop, vous commencez votre journée et vous savez déjà ce que vous avez à faire. Donc à ce moment-là, et ben votre journée sera beaucoup plus productive, et ça sur le long terme. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à la partager si vous pensez qu'elle va donner de la valeur aux autres. Abonnez-vous à la chaîne Business et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, chers amis, foncez dans tout ce que vous faites. Ciao.